La question de Clio. Bonjour Clio, tu as une question, je crois. Oui, bonjour. J'aimerais savoir pourquoi la place sur les quais s'appelle place la porte de Tamba. Alors effectivement, la place porte d'Amba se trouve sur les quais. Elle est d'ailleurs en bas par rapport à la tour Broérec notamment, hein, puisqu'on descend vers la rivière. Elle est tout près de la passerelle des Forges. En fait, tout simplement, la porte d'en bas, c'est parce que c'est là que se trouvait la porte médiévale, la deuxième porte médiévale. Tu sais, quand on venait par l'est, eh bien, on rentrait par la porte Broérec, on traversait la ville close, et puis ensuite, il fallait sortir de la ville, franchir le pont sur le Blavet, et ensuite, on pouvait partir vers Quimperlé et vers Quimper. Et il y avait une porte à cet endroit-là. Sans doute une porte avec un pont-levis, sans doute une porte avec des tours. Malheureusement, on n'en a plus aucune trace. Parce que au XVIIIe siècle, eh bien, on l'a détruite. Alors on a écrit au roi de France, lui demandant l'autorisation de détruire cette porte, parce que comme la porte, c'est un dispositif militaire, c'est fait pour protéger la ville, il faut demander l'autorisation au roi pour la détruire. Et le roi Louis XV a répondu. On a un courrier aux archives, qui date du 11 avril 1743, et dans lequel le roi autorise la destruction de cette porte, parce qu'il dit, eh bien, elle menace ruine, elle est légèrement en biais par rapport au pont. Ça veut dire que pour les carrosses et les charrettes qui veulent l'emprunter, et même pour les cavaliers, c'est pas très pratique. Donc le roi donne l'autorisation de détruire cette porte. Et elle va disparaître. Alors on a quand même, comme ça arrive bien souvent, même si elle est partie, eh bien on a conservé le souvenir de cette porte qui se situait en bas, au bord du Blavet. Ça répond à ta question ? Oui, merci. Au revoir Clio, à bientôt. À bientôt. La question de Clio. Avec le service valorisation du patrimoine de la ville d'Elbeuf.